on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un livre que j'ai lu et que j'ai bien aimé. Du coup, je me suis dit que pourquoi pas partager un petit peu ce que j'ai pensé du livre, vous le conseiller si vous aimez. Bref, voilà. Alors, c'est un livre qui s'appelle Le secret des Aurélie de Nathalie Sommer. Elle a fait d'autres livres. Personnellement, je n'ai pas lu ces autres livres parce que j'ai viens de finir celui-ci. Et en fait, c'est une jeune fille qui s'appelle Kathleen. Voilà, c'est elle, du coup, un petit peu l'illustration du livre, la page de garde. Je la trouve vraiment très belle. Voilà. Dedans, ça se présente un petit peu comme ça. Tu vois, c'est des grosses lignes. Tu vois, c'est pratique pour lire parce que moi, j'aime pas vraiment les livres où il y a des petites lignes. J'arrive pas à voir, je suis un petit peu bigleuse. Voilà. Bref. Du coup voilà, elle c'est Kathleen, et je vais vous lire un petit peu le résumé, vous dire un petit peu ce que j'ai pensé, et voilà. Cet été, Kathleen Aurélie, j'arrive pas à prononcer son nom de famille, hein, vraiment. Ah, au début je disais Oreille, hein. Voilà, bref. Du coup, cet été, Kathleen et Aurélie est ravie de retrouver ses cousines irlandaises. Elle va en Irlande pour retrouver ses cousines. Et celle-ci se prépare à défier les terribles frères Clancy dans le grand concours musical du village. La tension est à son comble car les deux familles se détestent depuis toujours et chacune rêve de remporter le trophée. Lorsque la situation s'envenime, Kathleen décide de s'en mêler. Elle va malgré elle réveiller un secret enfoui depuis trop longtemps. Voilà. En fait, c'est une fille, Kathleen, qui part en Irlande voir ses cousines avec son frère qui s'appelle Patrick. Et en fait, elle y va pendant 2 mois. Et en fait, il y a chaque année un concours musical où ses cousines y participent, mais elles ne gagnent en fait jamais le trophée. Et elles pensent vraiment gagner cette année. Et en fait, elles vont défier des frères, les frères Clancy, du coup, qui sont une famille qu'ils détestent depuis toujours à cause d'une longue histoire qu'on découvrira dans le livre. En fait, elle est un petit peu curieuse, cette Kathleen, et du coup décide de s'en mêler et d'essayer de découvrir l'histoire en fait entre les deux familles parce qu'elle se demande, ouais, mais pourquoi en fait, pourquoi ils se détestent et tout, bref. Et en fait, les Clancy, chaque année, décrochent le trophée, et du coup, bah, ça énerve un petit peu les Aurélie, la famille Aurélie, parce que genre. Ils se vantent un petit peu, ouais, moi j'ai gagné cette année dernière, l'année dernière, l'avant, l'année dernière. Et ils aiment pas ça vraiment. Et voilà. Et du coup, voilà, et on découvrira un petit peu ce qui s'est passé dans l'histoire un peu plus tard. Ça vient des Incorruptibles. C'est des livres pour des ados. Personnellement, j'ai bien aimé ce livre. Vraiment, je l'ai lu très très vite, vraiment. Il se lit vraiment très très vite, en plus c'est pas des petites lignes, c'est pratique. Après il y a après ils ont aussi fait des marque-pages, voilà, comme ça. Je sais pas si vous verrez. Personnellement je trouve que c'est bien dessiné. C'est en fait une communauté, les Incorruptibles, en fait c'est une communauté de jeunes lecteurs qui lisent des livres. Voilà. Et voilà. Et en fait c'est vraiment, vraiment, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce livre. Et j'espère en lire d'autres. Voilà. Voilà. Vraiment, vraiment, c'est un très bon livre et tout. Aussi sur la page de carte, j'adore les illustrations. Je trouve ça vraiment trop beau et tout. Comment c'est bien dessiné et tout. C'est bien présenté et tout. Moi, vraiment. Et en plus, il nous donne un petit peu une image de comment ressemble Kathleen. Parce que dans l'histoire, je crois que. Ils disent pas vraiment trop de choses sur elle. Ils parlent beaucoup, beaucoup des frères Clancy, du concours musical et tout. Voilà, du coup, elle. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, c'est ce que j'en ai pensé, j'ai vraiment beaucoup trop aimé. Vraiment, j'ai adoré ce livre, il est pratique, il est pas dur à lire. Vraiment, si vous aimez pas trop lire et tout, bah vraiment, si vous commencez à lire ce livre, vous allez genre bien aimer et tout. Aussi,
Et vous pouvez l'acheter sur Amazon. Vous pouvez l'acheter un petit peu partout, dans des librairies et tout. Vraiment, je vous le conseille. Même si vous aimez pas lire, vraiment, je vous le conseille. Il est vraiment très très bien. Voilà. Bref. Bye.